Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 10e épisode de mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition Acte 1. Et donc la dernière fois, on avait attaqué la partie d'Egypte en fait. Donc on était sorti des enfers en Egypte et on avait rencontré quelqu'un et qui semblerait, c'est la suite de l'histoire. C'est un peu cousu de fil blanc, mais bon, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Le sommeil léger, c'est ce que j'ai en ce moment, c'est affreux. Je dors qu'une fois toutes les 3 heures. Enfin, je fais 3 heures, après je me réveille, 3 heures, après je me réveille. C'est très chiant. L'épée du gardien, utilisée jadis par Horus pour vaincre Seth. Maintenant, un de ses fidèles, Khemsit, veut s'en emparer. Khemsit, votre ennemi? Il s'est emparé d'un temple d'Osiris près d'ici. Un gardien veille sur le temple, mais il dort. Rapportons l'épée au gardien et il se réveillera. Les dieux nous sourient, semble-t-il. Ok, allez, on y va. C'est vrai que j'avais laissé là la dernière fois. Le village de l'Oasis près d'ici est fidèle à Seth, le dieu des ténèbres. D'accord. Ils asservissent les autres villageois et leur font extraire de l'or pour Khemsit. Ok, bon, on va se déplacer. Je suppose qu'on va devoir aller tataner un petit peu, voilà. C'est des méchants. Ils vont se faire bourriner la gueule. Voilà. Sauvez-nous de nos ravisseurs. Bon, ça va, ils sont pas difficiles. Ça, c'est bon. Allez, y a un peu plus de gens. Bon, c'est bon. Ils sont vite fait éliminés. What? Ils nous ont pété un déjà de base? Oh là là. Oh, deux chariots. Ramenez au moins 5 villageois au forum. D'accord. Ouais. Ah, attendez. Voilà, ça c'est bon, il est sorti. Donc on va ramener les villageois derrière, mais bon, je suppose qu'on va en trouver un petit peu sur la route. Nice, une relique. Dans ce temple? Je suppose qu'il faut le mettre dans le temple. Non? Bon, on va balader la relique alors. Réporteur d'épée, faut pas que vous creviez par contre. On va gentiment tirer. What? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ah, des momies, d'accord. C'est vrai que ça avait tendance à faire bobo. Donc, pro tips, ne pas se balader là où il y a des momies. Alors, les serpents, ça va vite. D'une manière générale, c'est pas très compliqué. Bon, là ça va. Les crocodiles. Bon, la faune et la flore, c'est pas ce qu'il y a de plus dur. Alors, on va bientôt y arriver. Toc. Bon, ça a l'air d'aller. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde. Bon, du coup, là, on va pouvoir, je suppose, installer tout un setup une nouvelle fois. On va récupérer le village, je pense. Non? Oui, peut-être? Ouais, si. Bon, alors, déjà, on va ramener les villageois. Peut-être que c'est ça qu'il faut. Regardez, nos hommes sont de retour. Oui? Merci, étranger. Khemsit nous a chassés de notre cité sacrée du gardien. Nous vous aiderons à le vaincre. Ah bah voilà! Là, c'est bon. Ah merde, il y en avait plein ici. Amenez l'épée au gardien endormi avant que l'armée... Bah, à la limite. Voilà.
quête qui mine de l'or. Amenez les porteurs d'épée devant le gardien avant que l'armée de Kemsit n'atteigne ce dernier. Ouais. Et là, c'est des ennemis. Bon, alors, du coup, on va se bouger le cul. L'armée de Kemsit. L'armée de Kemsit revient en ville. Seuls les villages voisins sont sur son passage. D'accord. Ouais, il faut que je m'active un petit peu, là. Alors vous branlez rien, faites quelque chose. Il n'y a pas... camp de bûcheron, si. Allez, hop, au camp de bûcheron. Toi, tu fous rien. Ah oui, vous étiez des bûcherons, d'accord. Donc en gros, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est rapidement... Vous avez pas de... Ah d'accord, il est pas à vous. Merde. Bon bah, camp de mineur. Hein. Ok. Du coup, on est un peu en retard en fait. Je pense avec juste ça, on n'arrivera pas à la porte du bidule du gardien tout de suite. D'ailleurs, ça me fait penser. Hop, voilà. Ankh de Ra, croix de vie qui attire des faveurs supplémentaires des dieux. Nice. Invoquons le pouvoir de pluie. D'accord. Ça va augmenter la productivité. La pluie. Ouais, d'accord. Ça récolte vraiment vite. Au moins, c'est fait. C'est utilisé. Alors, du coup, il faut que je construise le temple, c'est fait. Le monument pour soldats génère des faveurs. Ouais. Comment ça fonctionne, cette histoire? Alors, c'est vrai que j'ai pas encore fait la civilisation égyptienne. Du coup, j'ai comme l'impression qu'on peut pas récupérer de nouvelles unités. C'est un peu bizarre. Ouais, bon, ils feront l'aller-retour, tant pis. Mais sachant qu'il y en a là, c'est pas très grave. C'est bizarre. Ah oui, mais non, mais je suis pas passé à l'âge suivant. Banane. Eclipse, Sphinx, Sable Mouvant et Wadjet. Eclipse, ça fait quoi? Viser un endroit de la carte, passer le jour à la nuit. Ce qui est la meilleure à vitesse d'atteint. Hein, non, c'est me pourri. Visez vos unités et celles de l'ennemi, puis visez l'endroit où vous voulez téléporter. Oh. C'est pas mal en vrai. Wadjet, c'est pas fou, mais. Téléporter les ennemis, ça peut être cool. Il me faudrait plus de laborers. Bon. Bah, du coup, là, je pense qu'on va setup un petit peu tout ça, comme d'habitude. Bon, alors, je pense que là, on a une petite armée. Je suis passé à l'âge héroïque tranquillement. J'ai obtenu un pouvoir qui permet d'améliorer un forum en citadelle. Voilà, bon, ok. Ça sert pas énormément à grand chose, c'est juste très joli. Voilà, sinon j'ai tout amélioré au max. Enfin presque, je suis à l'âge héroïque, donc je peux pas plus. Enfin, je pourrais toujours plus améliorer que ça. Mais en soi, je suis déjà pas mal. Malgré cela, j'ai pas énormément de nourriture. Bon, je vais continuer de créer quelques unités au cas où. L'armée a atteint le deuxième village, donc c'est en train de tous les tuer. Donc je pense qu'il est peut-être temps d'y aller, je crois. On est plutôt pas mal. Bon, là j'ai possiblement des tours de siège, mais je pense que c'est plutôt pas mal. Allez, ce qu'on a là. On va bien essayer. Il paraît qu'il faut une armée assez puissante. Bon. Je pense que ça devrait aller. Je vais juste laisser ça derrière au cas où. Ou alors je vais le laisser à côté des autres unités. Donc en fait, j'aurais dû faire en sorte que ça... Voilà, on va carrément tout attaquer, ça va... Oh là là, la porte. Ok, c'est ce qui s'appelle prendre cher. What the fuck, c'est quoi ces unités? C'est
des girafes, des hippopotames. Ok, c'est tout sauf des unités conventionnelles, hein, ces trucs. Moi, j'ai fait masse unité typée conventionnelle. Ouais, on s'est fait un petit peu déchirer la figure. Heureusement qu'on a des héros parce que... Ok. Je vais refaire des unités rapidement là. Oh la vache. Ce qu'il faudrait, c'est que les unités de siège elles défoncent la porte. On a plus de héros. Où est-ce que ça en est là? Faudrait qu'ils se regroupent là. Regroupez-vous. Où sont les porteurs de l'épée? On va les ramener. Ok, donc là, on se met par là. Ça ira bien. Donc les porteurs d'épée, on va les ramener. Puis on va les faire aller là, hein, je pense que c'est bon. Alors, il me semble que c'est là. Après, est-ce qu'il faut pas qu'on attaque ça? Non, ça m'a pas l'air. Les obélisques sont immortels. Ça me semble pas mal. Bon, bah finalement, c'est passé. C'est passé cette histoire. Ah non, en fait, ils sont pas immortels. Par contre, on va pas leur vie. Bizarre. D'accord. Et donc là, il va aller tout défoncer. L'armée de Kemsit est dans le troisième village. Ouah. Ok, d'accord. Le mec a pas le temps. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout regrouper. L'armée de Kemsit est dans le troisième village. Donc ça, il est à nous. On va pouvoir tout regrouper. On va essayer de vous regrouper ici, puis on va aller directement les défoncer. Allez, coucou, c'est moi. Alors le tout, c'est qu'il arrive à se concentrer un petit peu sur quelque chose. Ça me paraît un petit peu compliqué parce qu'il a tendance à pas trop bouger. Bon, après, il a tellement de vie que on a gagné. Ok, bon, ça passe plutôt bien en fait. Ça va. On va regarder un petit peu ce que ça va donner, mais là ça m'a l'air d'être plutôt pas mal. Il a tellement de puissance. 95% de défense, ok, c'est complètement stupide. C'est beaucoup trop fort. Bon. Oh la vache, ils sont défoncés. Bon. C'est GG. Ah, c'est tout ? On n'a pas de conclusion. Bon, bah ça sera du coup dans le prochain épisode. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai l'impression que la campagne est assez longue, mais c'est plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. À vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Vous connaissez la chanson. Et puis on se retrouve dans 4 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous. Portez-vous bien.